Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de la carrière joueur avec Lorenzo en Argentine. On enchaîne directement de nouveau et on affronte l'ancien club de Messi auquel il a marqué, je crois, 234 buts dans ce club. Donc là, il faut absolument qu'on prenne des points, même si le troisième, on peut voir qu'il est derrière, mais nous, on vise la première place. Donc malheureusement, on a deux petits points du premier. Donc après, il y aura le Classico et ensuite de nouveau un match de championnat. Et ensuite, on terminera un peu plus tard la fin de ce championnat. On verra après ce qui se passera. Et on va jouer avec le maillot blanc. Ça y est, enfin, on va jouer avec ce maillot blanc pour la première fois parce que pendant le premier épisode, on n'avait pas l'occasion de le mettre. Ils n'ont pas sorti les fumigènes aujourd'hui. Allez. Let's go. Il nous faut absolument les 3 points. Là, si on prend pas les 3 points, de toute façon, c'est mort. Hein. La première place, on pourra lui dire au revoir. Bon, attention, pas trop. Il a peut-être pu la rejouer quand même sur moi, là, au lieu d'aller chercher ultra loin. Attention. J'ai poussé mon ballon. Attention. Non, pour jeu, les limites. Oh là là, dommage, j'aurais pu avancer. Oh là là. C'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'occasions, mais bon. Comme dans tous les clubs, il y a beaucoup de joueurs qui sont très mauvais, donc ils vont louper leur... Oh là là, il a voulu couper en deux lui aussi. Voilà, attends un peu le soutien, parfait. Rodon. Ah putain, je voulais lui donner en profondeur, non? Rodon encore. Contrôle, frappe enroulée. Dommage. Je ne tire pas comme d'habitude. Je ne vais pas tirer comme d'habitude. Forcé. Oh là là. Oh, j'ai bien fait. Hein. Franchement, mais on donne des passes, on donne des bons ballons sur les corners, sur les centres aussi. Ah, il s'attendait pas que j'allais forcer. Hein. J'attendais juste de bien me mettre sur le pied droit. Oh là là, parfait. Il coupe la trajectoire. Oh, c'est parfait. Hein. Magnifique. Bien joué, Joseph. On commence à prendre la main dans cette équipe. Notre point fort, c'est qu'on va sûrement donner des bons ballons. Sur le plan personnel, pour aller marquer, ça sera un peu plus compliqué. Mais si on donne des bons ballons, on sera efficace. Dommage. Allez, c'est la mi-temps. J'ai jamais été autant appliqué sur le repli défensif hein, dans une équipe. Hein. Je fais que ça. Franchement, je m'épuise. C'est pas forcément très grave. Parce qu'on n'a pas de match qui s'enchaîne. Mais je suis pas dans la surface. J'espère qu'ils vont faire le taf. Hein. Je préférais être dans la surface, mais bon. Ah. Oh là 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 là, oui, au bout du bout du bout. Et je vais pouvoir enfin faire ma petite danse latine. Ah, oh, let's go. Oh, dommage parce que le contrôle il était parfait. Par contre, on veut mon gardien. Allez, 73e minute. Allez, pour le. Oh non, le Néerlandais qui a voulu rejouer derrière. Oh. Bien joué. Oh, j'ai demandé le ballon, ils m'ont zappé. Hein. Ils m'ont totalement zappé, ils en ont rien à foutre. Putain, ils ont bien joué là. Hein.
Parfait. Allez, le pied gauche. Allez, derrière, ça a profité. Ah, il y a hors-jeu. Allez, le contre. Allez, pas n'importe, pas faire n'importe quoi. Bien joué. Bien joué. J'aurais tenté le petit ballon piqué, mais bon. Le centre. Yes, victoire 3-0. On est parti pour le Classico. Juste avant, vous pouvez peut-être le voir. Non, pas ici, mais ici, on a fait une petite teinture. Voilà, on a fait une petite teinture pour se préparer à la Copa. Parce qu'à la fin du championnat, du coup, je me suis renseigné un petit peu. On jouera du coup la Copa. Qu'on termine premier ou deuxième, hein, dans tous les cas, on jouera la Copa. Donc j'ai vraiment, vraiment hâte. Mais d'abord, on va essayer de terminer ce championnat, essayer d'avoir la première place, évidemment. Et puis voilà, hein, tout simplement. J'ai modifié également mon joueur. Vous pouvez voir que j'ai plus mes 89 de général, mais j'en ai 87. Pourquoi ? Parce que tout simplement, j'ai réduit en vitesse. Voilà, j'avais un peu trop de vitesse, hein, par rapport au niveau du championnat. Ça me servait un petit peu à rien. Donc j'ai fait en sorte de réduire. On va commencer également à perdre un peu en performance. Après, attention, on va pas non plus baisser énormément. En fait, je réduis pour gagner des points de compétence pour en mettre ailleurs. Voilà. Là, j'en ai mis énormément dans la puissance. J'ai pris l'archétype puissance d'ailleurs. J'ai réduit mon endurance aussi. Donc, il y a peut-être moyen qu'on se fatigue un peu plus aussi. Donc, ça, j'ai hâte de voir un petit peu. Parce que du coup, comme c'est un championnat auquel on court quand même pas mal pour aussi défendre. On est à domicile, c'est parti pour ce premier derby. Ils sont 15e, donc ils font pas forcément une très bonne saison. Enfin, je sais pas c'est quoi leur objectif, mais oh là là là, ça tacle déjà, ça tacle déjà. Ça met pas de carton. On va essayer de balancer ce ballon. Oh, je pense que je l'ai mal tiré. Oh, quoi que. Je sais pas s'il était hors jeu. Surtout ne pas leur laisser le ballon, parce que des fois on a tendance des fois à laisser un peu trop le ballon. Bah, par contre on va être direct sur le contre, on va pas se prendre un but comme ça. Voilà, bien joué, le retour. Le retour. Ok. Parfait, on voit le classement. On va peut-être plus me la rejouer. Oh là là, non, c'est terrible l'action. C'est terrible d'où vient l'action. Je vais donner pour le ballon, il me la redonne beaucoup trop rapidement. Et derrière, si on se fait intercepter, voilà. Grosse frappe par contre, hein, grosse frappe devant les buts. Ah, c'est vraiment dommage pour le coup de se prendre une action comme ça là. C'est vraiment terrible. Hein. Ah, c'est dommage parce que j'ai pas le temps de ralentir ma course en fait. Du coup, quand il me la redonne, c'est comme si je courais. Et on le sait, quand on court et on reçoit un ballon, bah, le contrôle n'est pas optimal. Alors voilà, on est en train de... Ok, allez. Dommage. Allez, faut qu'on continue à pousser. Ah bah oui, mais c'est la mi-temps. C'est la mi-temps. Là, peut-être, il y a un truc à faire. Oh là là, l'interception. Allez, peut-être là-dessus. Oui. Let's go. Allez. Et ben voilà. Et vous avez pu voir les fumigènes derrière. Allez. Pas facile, hein. Là c'est un vrai derby, hein, pour le coup. Bien aligné. Allez, hein. Il reste du temps pour aller chercher les 3 points. Et essayer de rester collé au premier. Allez, ça repart. Ça repart, mais je suis épuisé. J'ai fait que de courir.
Oui. Oh, let's go. Let's go, la remontada. On fait péter les fumigènes là dans le stade. Hein. Oh, la petite attente là, juste pour bien donner. Il est en fin de contrat, hein. Lui, il faut le prolonger. Hein. Lui, par contre, il a pas signé dans un autre club ou quoi, il me semble. Mais il faut absolument qu'on le prolonge. Hein. Je suis passé attaquant gauche. On a tenté le petit ballon dessus. On a tenté le petit ballon dessus. Vas-y, le gardien, prend tout ton temps, frérot. C'est pas un problème. C'est gratuit. Merci. C'est parfait. Voilà. Let's go. Victoire 2-1. Oh, c'était mal parti, mais on a fait une belle petite remontée. Et au niveau des stats, on est sur 5 tirs, 3 tirs. Et ça reste quand même très équilibré. Hein. Eh bien, on a bien fait de s'arracher pendant le derby, parce que regardez, ils ont fait match nul. Du coup, on revient à 51 points. Il faut pas se louper. Il faut pas se louper contre le prochain. Et bon, ils sont quatrième, donc let's go. Hein. Let's go, c'est parti. Hein. Allez. Et vous avez pu voir, on a les petites bouteilles de coca qui sont autour du stade, là, avec les canettes aussi, derrière les buts. Allez, let's go. Ça va pas être facile, là, va falloir vraiment qu'on fasse attention. Si on peut prendre l'avantage dès le début, vu qu'on sera bien physiquement, ça serait pas mal. Parce que malheureusement, dans ce championnat, on galope. Oh là là, bah oui, d'accord. Oh. Je rigole, mais il m'aurait blessé. J'aurais pas rigolé du tout. Hein. Non, mais là, je fais n'importe quoi, si. Mais ouais, il faudrait pas qu'il nous blesse, hein, parce que... Oh, il nous blesse là, ça veut dire qu'on fait pas la Copa. Oh, putain, je pousse encore trop mon ballon. Allez, hein. 10 contre 11, là, il faut qu'on prenne les 3 points. Hein. Oh, mamma mia. Oh oui. Oh oui. Non. Il a mis but. Il a mis. Non, parce que ça a stoppé. Ça. Ok, il l'a mis. Oh là là, mais vous avez vu les mauvais choix qu'ils font. Attends, quoi? Non mais. Ce championnat, c'est un sketch. Non mais si vous voulez des trucs what the fuck, allez signer en Argentine. Mais attends, faut qu'on fasse le break. Oh non. Oh, non. Oh, mon gardien qui a failli la remettre tout seul dans son but. Hein. Non, non, oh ouais, c'est passé, mais faut que je fasse attention quand je demande des ballons aussi. Par contre, ils sont bien placés. Hein. Oh là là. Voilà, là il a frappé, j'ai eu peur. Oh oui. Il n'a pas pu frapper, il n'a pas pu frapper. Allez, faut qu'on continue. Non, 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 attention, par contre, aux remises. Il faut surtout ne pas leur laisser le ballon. Vous sentez le but arriver là? Ça va être la mi-temps, ça va être la mi-temps là, faut pas qu'on se le prenne maintenant. Oh non! Il n'y a plus qu'à tout refaire. Tain, c'est dommage! Là, j'en ai rien à foutre. Hein. On marque, je gère le match. Hein. J'en ai rien à foutre. À 10 contre 11, c'est pas possible. On va pas perdre. Au-dessus. Ouais. Dommage, 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 dommage. Des petites erreurs. Oh non! Mais c'est pas possible. Mais c'est un sketch. Mais c'est un sketch. Ah non, c'est le gardien. Pardon, c'est le gardien. C'est le gardien. Je pensais qu'il n'avait pas cadré.
Oh, il a trop poussé. Ils font beaucoup d'erreurs là. Allez, allez, allez. Oh non, 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 mais je les tire mal. À gauche. Oh là 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 là. Allez, 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 allez. On fait des choses bien là, on fait des choses bien. Allez, boum. Let's go, let's go, let's go, let's go. Allez, oh, il y a même un ballon là-bas. Putain, il y a tellement d'objets autour du stade. Et là, franchement, on joue bien. Là, on joue bien, il y a des espaces. On est passé attaquant gauche. Du coup, on n'a pas fait rentrer le néerlandais. Bizarrement. Allez, au bout. Au bout. Oh non. Bon, là, fallait la jouer, cette action. Fallait la jouer, mais... Bon, c'est dommage qu'on n'ait pas récupéré le ballon, par contre. Allez, hein, faites-les tourner. Ah, donne, 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 donne. Oh là là. Pff, ok. C'est bon. Pff, oh là là, mais il me faut transpirer, ces matchs. Et du coup, avec cette victoire, eh ben, on passe premier. Ah bah oui, on passe premier parce que ils n'ont pas encore joué la 23e journée. Oh, let's go. Ils ont fait match nul. Oh là 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 là, il faut garder cet avantage. On passe leader. On passe leader, ça c'est bon. C'est bon, il nous reste deux matchs. Il faut gagner. Il faut gagner les deux prochains matchs. Et ben voilà, rendez-vous pour la fin de saison. Ensuite, ça sera la Copa. Voilà, mais on se donne rendez-vous pour les deux derniers matchs de la saison, à savoir si on va être champion ou pas. Ça va être très compliqué. Hein. On va voir, on va voir. Mais bon, Boca, ils sont du coup 12e. 11e, eh, ils sont remontés un peu, je crois. Ok, ok. Et là, on affronte du coup le 7e. Ok, donc il faudra qu'on fasse attention. Mais on est à domicile. On est à domicile, donc voilà. On verra bien. On verra bien ce que ça va donner. N'hésite pas à mettre le petit pouce bleu à la vidéo, à t'abonner à la chaîne si c'est toujours pas le cas. Et puis à très vite pour la suite. Nous avons été élus joueurs du mois de février. Ça fait plaisir. Voilà. Allez, ciao tout le monde.